plaisir de vous annoncer donc la reprise du festival qui aura lieu du 1er au 3 juillet 2022. La grande nouveauté, c'est qu'on s'installe à Anfa Park pour la 15e édition et ça ouvre un nouveau chapitre pour le festival qui va aller à la rencontre du public. J'avoue que ça nous avait manqué de recroiser les gens, de passer des bons moments de partage ensemble. Et c'est beau cet élan, de cette soif de sortie, de festival, de musique, et la vie reprend. Et ça a été possible grâce à Sa Majesté et sa vision éclairée sur la gestion de la pandémie, et aussi à nos partenaires fidèles, la Fondation BMCI, Casa Anfa et oui, Casablanca qui nous accompagne, et aussi d'autres partenaires, nos partenaires médias aussi. Vous êtes là ce soir pour amplifier ce qu'on va raconter. Et merci encore de la confiance que vous nous témoignez. Et si on est là aujourd'hui, c'est grâce à tout cet écosystème de festivaliers qui nous font confiance, de public. Et cette édition va avoir la particularité d'avoir deux scènes principales, la scène 21, la scène Casa Anfa. Au milieu des deux, un village avec des restaurateurs, des créateurs, beaucoup de Marocains, aussi bien en termes de musiciens qu'en termes d'entreprises représentées, beaucoup de marques de restauration sympas. Et surtout, évidemment, ce qu'on attend tous, c'est la reprise de la musique. Donc on aura deux concerts par soir sur chaque scène, avec des artistes de renom sur la scène 21, comme Moulatou Astatke, Sean Kouti, Majid Bourkas, Natasha Atlas, Bubble Blues, des jeunes talents aussi, et M Trio. Et enfin, sur la scène principale, on aura la chance d'avoir Ibrahim Malouf, Azaf Avidan, Gilberto Gil, une création qui nous tient beaucoup à cœur, avec Eric Troufa et Hamid Qsri. Et enfin, Oum qui revient sur ses terres. Et pour finir et clôturer le festival, Ben Harper. Donc, on espère que vous allez venir passer un bon moment avec nous et profiter de cette reprise qu'on attendait tous. Nous sommes très heureux d'être ici ce soir et de vous annoncer le retour de Casa Blanca. La Fondation BMCI soutient la culture et l'art depuis une vingtaine d'années et a continué à soutenir ces deux dernières années, malgré la pandémie, nos partenaires artistiques. Et c'est le cas notamment du Festival Casa Blanca, que l'on retrouve avec beaucoup de joie sous un nouveau format. C'est devenu aujourd'hui un rendez-vous incontournable de la scène culturelle artistique. Il permet de mettre en avant à la fois des jeunes talents marocains, mais aussi des stars internationales. Et les Casablancais, je pense, seront très, très heureux de retrouver leur festival préféré qui est dans un nouveau lieu, respectueux de l'environnement, dans un parc au cœur de Casablanca, mais aussi un festival qui se veut inclusif, avec une scène gratuite ouverte à tous, à la place des Nations Unies, donc la scène BMCI qui accompagne traditionnellement le festival Casablanca.